Hey, je reviens. Enfin, je reviens. Si tu arrives ici, que tu es ici pour la première fois et que tu ne. En fait, que tu ne. Hey, bienvenue à toi. Donc, peut-être que tu es arrivé ici parce que tu suis déjà mon travail sur Agnès Bijouterie. Allez, je la refais. Hey, salut! Donc là, je fais rarement ça parce que je suis trop feignante pour éditer les vidéos, mais sur cette chaîne en tout cas. Mais je voulais juste t'expliquer un petit peu le topo pour ceux qui auraient loupé un épisode, qui n'auraient pas vu les choses, les autres vidéos où je parlais de ça. J'avais la chaîne Agnès Izmay, pour ceux qui arriveraient ici, vous ne le savez peut-être pas, pour les plus anciens, vous le savez probablement, où je mettais un peu de tout et de rien dessus et je l'avais mis en stand-by pour un moment parce que je ne savais pas quoi en faire, mais dans un coin de ma tête, je savais qu'il fallait que je la garde pour quelque chose d'autre. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me remettre au dessin. Et je me suis rendu compte que c'était une très bonne façon pour moi de me pousser à dessiner. C'était de faire en fait des dessins. J'enregistre beaucoup de choses, mais ce que tu verras là, ce sont que les trucs que je sélectionne qui sont pas trop mauvais. Mais j'enregistre tout. J'essaie de dessiner tous les jours. Pour la petite histoire, quand j'étais jeune, pendant un certain temps, j'aurais rêvé de bosser dans l'animation, de bosser chez Pixar, quelque chose comme ça. C'est un truc, ouais, c'est un. Ouais, c'était un espèce de rêve de gosse et en fait je pensais que j'étais trop nulle en dessin et j'ai jamais pris cette voie. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui j'ai quand même envie d'améliorer mon niveau de dessin. Donc je ne dirais pas que je suis nulle débutant, mais je suis entre débutant et intermédiaire. Moi j'ai un palier à passer là. Et donc c'est pour ça que je veux travailler pour dépasser ce palier. Et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de lancer sur l'autre chaîne un contenu qui sera similaire à celui que je vais te proposer là. Donc si ça t'intéresse, le lien sera juste en dessous et je compte publier 2 vidéos par mois, je pense, de dessin où je fais tout un dessin de A à Z, ou plus ou moins de A à Z. Et là, bah, je me suis dit quelle meilleure introduction à ça sur la chaîne bijouterie, puisque les autres dessins seront probablement que sur l'autre chaîne, à part si c'est des dessins peut-être bijouterie reliés à la bijouterie. Mais là, donc, c'est un dessin de bijoux. Je dois dire que c'est pas la façon traditionnelle de le faire. Les vrais gouachés sont faits à la gouache sur des papiers à fond gris. Je n'aime pas ça. Donc, moi, je fais crayon à papier. Papier. Et voilà, donc je te laisse avec les vidéos, j'espère que ça te plaira et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!